Qu'est-ce que c'est que ça? Audio! Salut les geeks, c'est Valdoror, le retour pour la troisième vidéo. Et là, j'ai vraiment des trucs fort sympathiques. Je sais pas si vous avez reconnu ce que j'étais en train de chanter péniblement avec ma voix de Cressel. Certainement, il s'agissait bien sûr de Monsieur Trollolo. Voilà, Monsieur Trollolo. Eh bien, j'avais envie de parler de Monsieur Trollolo, c'était pas du tout prévu. Rien à voir avec le sujet de la vidéo. Ceci dit, je voulais en parler un petit peu. Déjà pour voir si vous saviez qui est ce chanteur, Monsieur Trollolo. J'imagine que oui. C'était un chanteur russe du nom de Edouard Kill. Tout à fait. Edouard Kill, ça fait un peu anglo-saxon, saxon, pardon, je trouve, mais voilà, il était bien russe. Il est né en 1934 et il a eu, c'est incroyable ce que je suis en train de voir là. Il a eu une carrière de chanteur bien remplie. Avec un gros succès populaire, pas mal de titres d'interprète, enfin de prix gagnés, je veux dire. Voilà, et c'est mon fils qui m'avait fait découvrir ça, bon, il y a déjà un moment. Et il s'avère, vous le savez peut-être, ou pas, j'imagine que oui, que Monsieur Edouard Kill nous a quittés cette année. Il n'y a pas bien longtemps, en fait, il est décédé le 4 juin dernier. Voilà, donc j'avais envie de lui faire un petit coucou. Sachant qu'il est devenu une sorte de, quand même de célébrité ou en tout cas de mode sur Internet. Donc voilà. Donc ça c'était pour Monsieur Trollolo. Au départ je voulais vous passer un extrait de sa fameuse chanson. Et puis je me suis dit qu'il y avait peut-être des droits d'auteur dessus, donc j'ai laissé tomber. On va pas prendre de risque. Et à la place vous avez droit à ma voix magnifique. Voilà, alors là, pour ceux qui ont vu la première vidéo, la vidéo d'introduction de ma chaîne, et je vais arrêter de tourner dans tous les sens, sinon vous allez avoir la nausée, vous avez en fait remarqué pas mal de changements, j'imagine. Changements que j'étais contraint d'apporter. Voilà, j'ai eu un petit souci sur le serveur avec on va dire, un joueur mal intentionné. Si vous vous rappelez, au-dessus, j'avais alors effectivement un champ de blé qui se situait là et un enclos à vaches, à moutons, enfin des animaux. Et tout ça était entouré de barrières. Et il s'avère que les barrières ne sont pas imperméables aux flèches. Je m'en suis rendu compte à mes dépens. Alors en fait c'est la deuxième fois que ça m'arrive sur ce serveur, ce qui au bout du compte n'est pas beaucoup, sachant que c'est un serveur qui est ouvert à tout le monde, hein, on n'a pas besoin de s'inscrire sur Hello Minecraft pour pouvoir jouer, et en plus on bénéficie à partir du moment où on crée sa propre faction d'une protection très pratique de ses constructions. Voilà, donc les griffeurs normalement ne peuvent rien faire. Sauf que, les barrières laissent passer les flèches. Et oui, j'étais persuadé du contraire depuis le début. J'avais même fait des. Du coup, des. Quand j'ai eu mon petit souci, j'ai fait des tests en créative. Et impossible de faire traverser une flèche à travers une barrière. Je suis désolé, faudra me prouver le contraire. Sauf que là, alors, est-ce que c'est dû au fait qu'on joue en multijoueur? Peut-être, je vois pas d'autres explications. Je me suis dit, je vais faire un petit test, hein, c'est bien simple. Je vais me mettre à la place du griffeur, je me suis positionné là. J'ai bandé mon arc,
décoché une flèche et j'ai tué sur le coup une pauvre poule, voilà, que j'avais récupérée pour reconstituer mon petit capital en animaux. Et là, je me suis dit, bah oui, d'accord. C'est même trop facile. Donc du coup, voilà, j'ai été contraint de revoir complètement l'architecture de ma maison. Et j'en suis arrivé à ça. Alors ça m'a demandé quand même une journée complète. Voilà, bah c'était plutôt sympa. Le résultat final me plaît, me plaît, me plaît, me plaît, me plaît relativement, je dirais. Au début, c'était pas du tout le cas. J'avais tout simplement changé bah, donc toutes les barrières par ces blocs de planches de bois. Et au final, bah, ça donnait un gros rectangle tout moche. On aurait dit un blocos, j'étais vraiment pas satisfait. Même avec un petit peu les décorations là, que j'avais apportées avec les différentes teintes de bois, c'était vraiment hideux. Donc dans ces coups de temps-là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaye de donner un peu de relief. Voilà, c'est un peu la démarche à suivre pour essayer d'embellir la chose. Donc j'ai rajouté la corniche tout là-haut, ainsi que cette deuxième corniche, alors là on la voit pas bien, voilà, sur le côté là, donc ce qui donne un peu plus de relief, puis j'ai eu l'idée de mettre ces poteaux aux quatre coins de la maison, voilà, avec ces gros blocs en bois foncé. Voilà, j'étais pas encore tout à fait satisfait, puis je me suis dit, tiens, je vais peut-être mettre des lampadaires là-haut. Alors j'ai fait différents tests. Ce que j'avais tenté au départ me satisfaisait pas, et puis finalement bah voilà, j'ai fait quelques essais en créatif, je suis arrivé à cette forme, voilà, avec des lanternes, enfin je sais plus comment on appelle ça, des lanternes de redstone. C'est tout bête, et puis bah finalement ça rend pas mal. Ce que j'ai fait aussi, et ben c'est ouais, ça y est, genre, je flippe encore des meubles là. Bon, pour l'instant, pas de soucis. Si vous vous rappelez bien, j'étais pas vraiment satisfait non plus de ma fontaine. Le souci, c'est que c'était tout en cobblestone, et du coup, ça faisait un gros amas de cobblestone, on distinguait presque rien. Donc j'ai commencé par refaire l'escalier, cette fois-ci en bois. Alors idéalement j'aurais aimé voilà, cette couleur de bois marron intermédiaire, je dirais. Le problème c'est qu'en version 1.2.5 de Minecraft, les escaliers en bois teinté ne sont pas encore disponibles. Donc bah, finalement j'ai retenu la seule couleur de bois que j'avais à disposition. On va dire que c'est temporaire, et puis bon, ça rend déjà pas mal, ça rend déjà mieux que la cobblestone. Ensuite, je me suis dit, bah, pour différencier encore un petit peu la cobble, enfin, je sais pas, faire ressortir la fontaine, par exemple, de ce petit chemin périphérique, j'ai fait de la stone brick, voilà, donc c'est déjà un petit peu plus joli. Et puis, pour terminer. Alors là, c'était pas fait exprès. Donc en remplaçant la cobble là, qui se trouvait là par bah justement pour la remplacer par de la stone brick, hein, je vais y arriver. J'ai percé à travers le mur là de ma maison. Je dis ah mince, je suis allé un petit peu trop loin. Et puis ah, ça m'a donné une idée. Je suis rentré à l'intérieur voir un petit peu ce que ça donnait de l'intérieur. Je me suis dit, oh, tiens, je vais tenter. Je vais faire une fenêtre. Et bah, du coup, je pense que c'était une bonne idée parce que voilà, quand on passe devant. On voit tout à travers de la maison et même au-delà. Et puis je vais vous montrer de l'intérieur ce que ça donne. C'est assez rigolo. Bon, je pense que certains d'entre vous ont déjà fait ça, mais voilà, un mur d'eau. Et puis on voit à travers, on voit le dehors. Voilà, ça me plaît bien. C'est pas rien de bien exceptionnel, comme j'ai coutume de dire, mais voilà, ça me plaît pas mal. Voilà, alors c'était pas du tout le sujet de cette vidéo. Non, alors je vais quand même terminer, oui, par vous montrer à quoi ça ressemble là-haut. Voilà, alors j'ai revu totalement les choses. Ici nous avions un champ de blé, maintenant nous avons des vaches, voilà, qui ont joli tapis vert. Alors elles ont moins de place que derrière moi, là où elles étaient avant. Mais j'ai pas trop eu le choix en fait, parce que j'avais commencé derrière moi, je vais vous montrer bientôt, j'avais commencé à rapatrier à nouveau et des poules et des moutons, et je me suis dit, ça va être galère à transférer ces moutons d'une pièce à l'autre.
Bon, je les ai laissés là où ils sont. Et voilà. Voilà. Au départ, là, il y avait une porte d'entrée ici, avec une porte, là, une fence gate en anglais. Je ne sais pas comment c'est traduit en français, mais je pense que vous m'aurez compris. Et on arrivait donc directement dans l'enclos. Alors évidemment, j'avais mis de l'herbe. Et puis en revenant le lendemain, en me reconnectant au serveur, je remonte ici et qu'est-ce que je découvre? C'est que ces salopios de moutons avaient bouffé toute l'herbe. Ça, j'avais pas anticipé le problème parce que vous voyez, ils sont quand même assez nombreux et c'est des gros mangeurs. Alors du coup, voilà, on se retrouve avec de la dirt partout, plus un brin d'herbe. Donc il fallait trouver une solution. Et je me suis dit, ben il faut absolument de l'herbe qui soit pas accessible aux moutons pour que l'herbe voilà puisse s'étendre de bloc en bloc et puis ça donnera un minimum d'herbe à brouter. D'ailleurs, vous voyez bien que l'herbe elle va pas bien loin en fait. C'est vraiment des morfelles ces moutons. Mais voilà, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Et puis bon bah je crois qu'on va s'en contenter, hein. Je vois pas trop comment faire autrement sans réduire davantage leur espace. Donc voilà. Ok, et eh bien on va quitter le serveur, je pense, pour la suite de la vidéo. On va aller dans un coin un petit peu plus tranquille sur un serveur que je ne vous ai pas encore montré. Et on va y aller tout de suite. Voilà, je vous dis à tout de suite. Et ben voilà, on est arrivé sur ce serveur. Alors ce serveur, c'est quoi? C'est tout simplement un serveur perso là que j'ai monté à la maison il y a déjà un moment. On joue pas bien souvent en fait avec mon fils dessus. Et ça fait un bon moment que j'étais pas revenu pour tout vous dire. Voilà, mais j'avais envie de venir ici déjà pour vous le faire découvrir. Alors on va regarder s'il n'y a pas un minecart. Oui. Voilà. Je vais vous présenter rapidement, très rapidement, la maison. Faut pas que je perde le minecart. C'est bon. Allez, allez, hop, allez. Voilà. Allez, je monte. Pouf. Et c'est parti. Voilà. Jolie, jolie forêt. La mer à côté. Et puis, j'aurais peut-être une idée de prochaine vidéo et je pensais à ce serveur en fait pour les tourner. Alors ça reste à confirmer. On verra ça. Faut que je réfléchisse encore un petit peu. Mais j'ai peut-être une idée là derrière la tête. Voilà. Donc on arrive ici, on descend les escaliers. On va même passer par là. C'est plus facile. Alors voilà, une maison. Alors, je vais peut-être passer en créatif, ce sera plus pratique pour vous montrer ça rapidement, puis vu un petit peu de haut. Donc voilà à quoi elle ressemble. Encore hein, une architecture différente de ce que vous avez pu voir sur Hello Minecraft. J'aime bien innover, moi toujours essayer de trouver des idées originales. Alors je prétends pas que qu'elles sont tout à fait originales et que personne n'a déjà réalisé des architectures de ce type-là. Mais voilà, moi, ma façon de procéder quand je construis une nouvelle maison, c'est déjà de ne pas avoir d'idées préconçues, pas à l'avance exactement ce que je vais faire, et puis je laisse aller mon imagination. Donc parfois j'ai de l'imagination, des idées, et puis parfois moins. Donc voilà, je prends le temps, et puis je fais des tests, je construis, je déconstruis, jusqu'à obtenir un résultat qui me convient. Voilà, alors, pour éviter de casser quelque chose, je vais revenir en survival. Donc voilà, donc on a un portail, forcément, ça c'est l'incontournable. Des vaches, d'ailleurs, est-ce qu'elles sont toutes là? Oui, voilà, sur du mycélium qu'on n'est pas allé récolter en survival. C'est à peu près le seul matériau qu'on s'est autorisé en créative, sachant que mon fils adore jouer en créative, voilà, c'est comme ça qu'il s'éclate. Moi, je préfère de loin le survival.
un côté un petit peu plus réaliste, je trouve, mais voilà, donc le mycélium a été apporté en créative et tout le reste, bah, tout le reste est... on l'a obtenu à la sueur de notre front, et surtout du mien. Et voilà. Et d'ailleurs, le bois, alors là, oui, par contre, c'est une surprise. Parce qu'on a un, deux, cinq. Je me rappelais pas de ce bois aussi foncé au sol. Bizarre, d'accord. Bah, pour vous dire, depuis combien de temps je suis pas venu jouer ici. Voilà, on va voir rapidement l'intérieur. Parce que là, je sens le temps qui passe. Et je vais pas parler de mes youtubeurs, hein, ça serait dommage. Voilà, deux lits, paf paf paf. On descend en bas. Alors là, ça a été complètement construit et conçu par mon fiston. Je vais vous montrer ça. Entrée, oui. Oui. Alors pourquoi entrer si je veux passer par là? Ah, je suis bloqué. Oui, d'accord. Donc là, l'entrée se situe vraiment là. On rentre et regardez. Voilà. Éclairage automatique entièrement réalisé par mon fils. Bah, je trouve ça pas mal du tout. Ça, c'est une des dernières pièces que j'ai construites. Je voulais une petite cave à champignons. D'ailleurs, ça pousse pas beaucoup. Mais peu importe. Autre construction de mon fils. Bah, il a dû se. Enfin, oui. Je pense qu'il s'est inspiré de vidéos sur Internet. Mais voilà, il a fait ça tout seul. Un vide ordure. Voilà. C'est pas original, je dirais, mais ben, c'est pratique. Voilà, je vais me débarrasser de ça. C'est un bloc que j'ai récupéré en créative avant d'entamer la vidéo. Si je veux annuler, voilà, je récupère le bloc comme ça. Il est revenu là. Ben, j'en avais déjà dans mon inventaire. Et puis si je veux vraiment m'en débarrasser, vous connaissez le principe. Voilà, ça s'ouvre, il y a de la lave et on n'en parle plus. Et quoi d'autre? Quoi d'autre? D'enchantement, oui, voilà, bah, pas encore bien garni. Non, je vous dis, on n'a pas énormément joué là sur le serveur, et ça faisait vraiment des mois que je n'étais pas revenu. C'était un peu bizarre d'ailleurs. Voilà, on va remonter. Sortie, bah oui, sortie, alors, on peut pas ressortir de l'autre côté, hein, c'est le même principe. Et puis voilà, quand on sort, tout s'éteint. C'est magnifique. Alors, eh bien, pour vous parler de mes youtubeurs préférés, on va se mettre peut-être en hauteur. Et je crois que je grimperai bien tout là-haut. Alors, par contre, il y a. Voilà, en survival, il n'y a rien pour monter. Alors, un petit coup de créative. J'espère que vous me le pardonnerez. On va se mettre là. Hop. Et je vais revenir en survival. Ça pourrait être rigolo s'il y a un Enderman qui vient me rendre visite. Voilà. Alors, je sais plus où le soleil se lève. Ah, voilà, on a la lune là. Ok, et eh bien on va faire ça. Alors, pourquoi vous parlez de mes youtubeurs préférés? J'ai pas envie de vous barber. Voilà, parler de ses passions aux autres, c'est pas forcément passionnant pour les autres, justement. Mais en fait, voilà, c'est un petit peu une vidéo qui fait suite à ma vidéo d'introduction où je présentais mon fils, voilà. Je me suis dit, bah, pour poursuivre et puis bah, terminer de parler un petit peu de mon passé de Minecrafter. Voilà, pour expliquer un peu d'où je viens et ce que j'ai fait durant l'année passée. Voilà, j'avais envie de parler de ces gens que je suis. Vous les connaissez pour la plupart, sinon tous. Puis c'est l'occasion de leur faire un petit coucou, c'est ce que j'avais dit avant cette vidéo. Voilà, donc j'en ai un certain nombre, je les ai classés, on va dire plus ou moins de façon chronologique. Notamment, on va commencer par des youtubeuses. Parce que bah, c'est sympa de suivre des vidéos de femmes, de filles, de jeunes femmes. En tant qu'homme, c'est toujours agréable. Et pour commencer, bah, je dirais à tout seigneur, tout honneur, et je vais parler de Madame Biloulette. Et oui, Madame Biloulette, notre mère à tous, je dirais. Voilà, bah, ça fait longtemps que je suis ses vidéos. Bah, parce que je trouve ça intéressant. Et voilà, j'ai regardé un petit peu le nombre d'abonnés qu'elle avait aujourd'hui.
93 500 abonnés, ça fait rêver, ça fait rêver, ça fait beaucoup de monde. Et ce qui m'a plu en fait chez Biloulette au départ, hein, c'est outre le fait que ça soit une femme, c'est que c'est une femme qui a un certain âge, qui est bien plus âgée que la moyenne des joueurs Minecraft. Et en fait, on a quasiment le même âge avec Biloulette. Voilà, elle a 45 ans, au jour d'aujourd'hui. Il me semble qu'elle va sur ses 46. Moi, j'en ai 42. Voilà, donc on est de la même génération. Donc ça nous fait un point commun. Donc c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles j'aime bien suivre ces vidéos. Et j'avoue que ça m'a fait du bien. Ça m'a rassuré de voir que. Ben voilà, des joueurs d'un certain âge, donc qu'on dépassait les 40 ans, jouent à un jeu comme Minecraft. Je pouvais culpabiliser de temps en temps. Et ben depuis que j'ai découvert Biloulette, c'est fini, je ne culpabilise plus. Voilà, donc merci Biloulette. Rien que pour ça, je souhaite la remercier. Alors je regarde pas toutes les vidéos de Madame Biloulette. Ça dépend du thème. Voilà, elle, on sait tous qu'elle est fan de décoration d'intérieur. Bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus personnellement. Elle a fait des vidéos comme, enfin des séries comme Maman Craft, déco à domicile. Voilà, bon ça je suis pas trop, j'avoue. Par contre, y a d'autres séries telles que Creeper Maniacs par exemple, où j'adore, ou plus récemment Duplex. Voilà, donc et puis à une époque, il faut dire aussi que j'avais pas beaucoup d'abonnements, enfin j'étais abonné à très peu de chaînes. Et Biloulette a une productivité telle que c'était surtout elle qui alimentait mes soirées, je dirais, en épisode de telle ou telle série. Et heureusement qu'elle avait une telle productivité, parce que sinon je crois que je me serais un petit peu ennuyé, enfin ennuyé, j'aurais pu faire d'autres choses, mais les soirs où j'avais envie de regarder un petit peu des vidéos de Minecraft, heureusement qu'elle était là. D'ailleurs, j'en étais arrivé à me demander comment elle pouvait être organisée ou s'organiser pour produire autant de vidéos. Je me dis, bah, c'est pas possible. Elle a pas de vie personnelle. Elle doit y passer ses journées, sachant en plus, qu'elle a une fille. Enfin bon, c'était un mystère pour moi. Qui s'est éclairci récemment par Biloulette elle-même, puisqu'elle a avoué dans une vidéo récente, une vidéo d'annonce, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'aujourd'hui, en fait, elle ne fait que ça, c'est son activité principale, donc je dirais presque son métier. Et je me suis dit, tiens, on peut donc gagner sa vie en faisant des vidéos. Voilà, c'est bon à savoir. Je me verrais bien moi aussi tourner des vidéos à longueur de semaine et puis en vivre. Bon, j'imagine qu'elle doit pas gagner des 1000 et des 100, mais si elle arrive à en vivre, c'est qu'il y a moyen. Alors ce qui m'amuse aussi chez Biloulette, c'est vous l'aurez certainement remarqué, c'est qu'elle a quand même une sacrée tchatche. Alors, je dis ça, c'est pas du tout péjoratif, parce que autant il y a des gens qui parlent beaucoup et c'est presque à se tirer une balle au bout d'un moment, c'est ennuyeux, autant Biloulette, elle parle, et puis c'est agréable de l'écouter. Mais là où ça m'amuse, c'est que voilà, j'ai déjà fait des petites comparaisons. C'est là où, par exemple, un YouTuber comme Elarcis, pour une vidéo d'annonce, va faire une vidéo de 3 minutes. Biloulette, elle va rapidement arriver à une vidéo de 9 minutes pour dire la même chose. Mais voilà, elle en robe, moi ça m'amuse. Voilà, elle dévie, elle change de sujet, puis elle revient à son sujet de départ. Enfin, c'est rigolo, voilà, c'est une de ses caractéristiques. Et ce qui m'a étonné aussi, je pense que j'étais pas le seul, c'est d'apprendre à une époque, quand elle l'a dévoilé à son public, c'est qu'elle chantait. C'était même une très bonne chanteuse. Et moi j'avoue que quand elle a publié là ses quelques vidéos, enfin vidéos entre guillemets, en tout cas ses enregistrements sonores, j'y croyais pas du tout, quoi. Enfin, la femme qu'on entendait chanter, avait une voix déjà beaucoup plus claire que la voix de Bilou qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça me paraissait vraiment pas possible.
Et voilà, et la chanteuse qu'on entendait, c'était vraiment une chanteuse avec une très belle voix. Et puis voilà, bah, de temps en temps, on l'entend chantonner dans ses vidéos Minecraft, Bilou, et on voit clairement que déjà, elle chante juste. Donc ouais, je crois qu'effectivement, c'est bien elle. C'est bien elle. Alors peut-être que la cigarette est passée par là, a transformé sa voix, qui n'est pas désagréable aujourd'hui, pour autant. Mais c'est vrai qu'il y a un sacré contraste entre la voix de Bilou chanteuse et la voix de Bilou youtubeuse. Voilà, donc bah, c'est quelqu'un que j'adore suivre. C'est une chance énorme qu'elle fasse des vidéos à l'appel. Et puis si elle en a fait son métier, pour ainsi dire, aujourd'hui, bah, ça nous promet encore des dizaines et des dizaines de vidéos à venir. Et moi je dis youpi. Voilà, alors bah Biloulette, du coup, quand j'ai regardé un peu ce qu'elle avait fait dans le passé, donc je suis tombé sur cette fameuse série Drôle de Drame avec Pimps Pink. Alors c'est une série que j'ai quasiment pas regardée, en fait. J'ai dû voir, à mon avis, quand j'en ai entendu parler, la série était déjà finie ou était en train de se terminer. Voilà, ouais, donc je l'ai pas du tout vécu en direct. Pour des raisons diverses et variées, je suis parvenu en arrière pour essayer de reprendre la série depuis le début. Je le ferai peut-être un jour, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Mais bon, j'en ai quand même vu un certain nombre. Et je voulais parler de Pimps Pink déjà pour une raison très particulière. Alors, je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça dans la vie. Mais il arrive parfois qu'on rencontre des gens dans la vie qui nous font penser énormément à des gens qu'on a connus dans le passé. Alors généralement c'est des amis, voilà, des amis du passé, des gens qu'on a adorés, qu'on a perdu de vue. Et puis un jour, voilà, on rencontre quelqu'un qui nous fait penser énormément à cette personne-là. Alors ça peut être pour des raisons physiques, une ressemblance physique, ça peut être à cause de la voix, le caractère, l'humour, je ne sais pas. Alors c'est exactement ce qui s'est passé pour moi vis-à-vis de Pimps Pink. Alors c'est évidemment pas une question de physique parce que je sais pas du tout à quoi elle ressemble. Non, c'était vraiment sa voix. Et c'était extrêmement troublant. Sa voix ressemblait, mais pour comme deux gouttes d'eau à la voix d'une amie, voilà, quelqu'un qui m'était très cher à une certaine période de ma vie. Donc voilà, le timbre de la voix, les intonations de la voix, et je dirais même ce qu'elle racontait, son humour, sa façon de s'exprimer, un petit côté impertinent, voilà, c'était saisissant de ressemblance. Et je vous avoue, enfin, voilà, je pense que pour les plus jeunes d'entre vous, c'est une expérience que vous n'avez pas encore faite, parce que voilà, les amitiés, c'est en ce moment que vous êtes en train de les déconstruire. Pour des gens plus âgés comme moi, par exemple, voilà, je pense qu'il y a d'autres personnes qui, je suis sûr, qui ont déjà vécu ça, et ça peut être très troublant. Voilà, donc du coup, bah dans ces coups de temps-là, c'est vrai qu'on a tendance à reporter sur la personne qu'on vient de rencontrer un petit peu je sais pas, les sentiments, ça peut être de l'affection, voilà, qu'on avait pour une personne du passé, et on le transfère un peu sur la personne qu'on vient de rencontrer. Donc voilà, donc du coup, bah comme j'avais de l'affection pour la personne que j'ai connue dans ma vie, je crois que j'ai de l'affection pour Pimps Pink, alors que je ne la connais pas du tout, et je pense que voilà, on se connaîtra jamais, et peu importe, là n'est pas le sujet. Mais voilà, Pimps Pink, de toute façon, c'est une personne bah, très attachante, très charmante. Rien qu'en lisant les commentaires sur ses vidéos, je vois que je suis pas le seul à succomber à son charme, je dirais. Voilà, et l'association avec Biloulet dans Drôle de Drame bah, était tout simplement excellente, quoi. J'avoue que ça se voyait, ça se sentait dans leur rapport à toutes les deux. Voilà, elles s'adorent, et du coup ça donnait des vidéos géniales et souvent souvent drôles. Alors quand je préparais cette troisième vidéo là, je m'apprêtais à vous dire, mais voilà, à un certain moment, Drôle de Drame s'est arrêté parce que Pimps Pink, pour des raisons X qui la regardent, qu'on ne connaît pas, et c'est normal, a dû arrêter de faire des vidéos. Alors moi je m'étais un petit peu inquiété, en imaginant qu'elle avait, enfin, en tout cas en espérant qu'il ne soit pas arrivé d'un un drame trop terrible dans sa vie, enfin on peut tout imaginer.
Et je pensais sincèrement qu'elle avait disparu de YouTube, hein, carrément. Voilà. Et puis je me suis dit, bon, sois prudent, avant de raconter ça, va quand même voir, va faire un petit tour sur sa chaîne pour voir, enfin vérifier que c'est toujours le cas. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise en allant sur la chaîne de Pimsping pour de me rendre compte en fait que bah, pas du tout, Pimsping, elle est revenue. Alors depuis quand précisément, je sais pas, j'ai pas creusé jusque-là et c'est pas bien important. Mais je me suis rendu compte que, bon, d'une part, elle continue à publier des vidéos. D'autre part, bah, elle s'est trouvée un chéri avec qui elle s'est même mariée. Et bah, je suis bien content pour elle. Et voilà, elle est à nouveau complètement active. Et ça, je le savais pas. Donc c'est plein de bonnes nouvelles. Donc elle est de retour. Et puis alors je sais pas si vous avez vu sa vidéo de rentrée, donc tournée avec MR. Alors je suis pas sûr de tout avoir compris parce que je dois dire que leur vidéo était un petit peu brouillonne par moment. Mais à un moment donné, elle annonce qu'elle a comme projet bah, de lancer une nouvelle série sur Minecraft, d'une part, et puis un peu plus tard, elle annonce que bah, y a de fortes chances pour qu'elle reprenne une série de vidéos avec une personne avec qui elle a beaucoup tourné dans le passé. Alors je vous ferai pas l'affront de vous dire qui c'est, on a tous compris. Ce que j'ai pas compris, c'est est-ce que ce projet qu'elle annonçait et puis ces vidéos, ce projet de vidéo, de nouvelles vidéos avec Biloulette, est-ce que c'est deux projets différents, est-ce que c'est le même? Bon, peu importe, tout ce qu'il faut espérer, c'est que c'est ce projet, on va dire, se concrétise, parce que ça fait rêver, quoi. La reconstitution du duo magique Bilou Pimps, ça serait vraiment génial, et je pense que ça ferait plaisir à un paquet d'entre nous. Voilà. Alors on va remonter un petit peu dans le temps, justement à cette époque où Pimsping a été contrainte d'arrêter. J'imagine que Biloulette a dû être fort embêtée, bah, déjà de perdre sa copine et de ne pas pouvoir continuer l'aventure. Et puis bah voilà, de se retrouver un petit peu face au néant. Alors on s'est rendu compte quand même que rapidement, parce que je pense pas que Biloulette soit une femme à se laisser abattre, elle est quand même ultra dynamique. Elle a rapidement enchaîné sur une nouvelle série avec une nouvelle associée, encore une femme. C'est bien sûr Louvinette et la série Duplex. Alors ça m'a fait un peu bizarre au début parce que Louvinette, je sais pas si vous avez remarqué, enfin moi ça me donne cette impression, elle a quand même une voix qui est relativement proche de celle de Pimsping. Voilà, une voix assez légère, enfantine, des fois. Et c'est cette ressemblance qui me gênait un peu. Je me suis dit, tiens, Biloulette, elle essaye de reconstituer un petit peu l'ambiance, je sais pas, de drôle de drame. Bon, c'était un petit peu bizarre, mais pourquoi pas. Et puis Duplex au début, ben j'avoue que j'étais pas extrêmement fan. Voilà, je commençais à regarder. Louvinette, je la trouvais vraiment très effacée. Je sais pas si vous vous rappelez, elle parlait pas beaucoup. Quelque part, je dirais, elle était un petit peu fade. Voilà. Ah, pardon, là, j'ai été obligé de bouger ma souris. C'était pas le bon réflexe à avoir. Je crois que j'ai mon écran qui était en train de se mettre en veille. Voilà, désolé. Voilà, donc je la trouvais un petit peu fade et en tout cas trop effacée, Louvinette. Et bon, voilà, c'était. Si l'idée de Biloulette était de refaire une sorte de drôle de drame, c'était pas forcément réussi. Et puis, bah, au fil du temps, j'ai pas regardé tous les épisodes, j'en revenais de temps en temps, voilà, un duplex par-ci par-là. Et au fil du temps, bah, j'avoue que bah, Louvinette s'est émancipée petit à petit. En même temps, je me mets à sa place, je suis pas sûr que c'était une personne qui était habituée à faire des vidéos. On sait qu'elle vient du serveur Minefield, qu'elle était modo là-bas. Donc déjà de commencer des vidéos, c'est pas forcément facile. En plus, avec une star comme peut l'être Biloulette, je pense que ça doit être très impressionnant. Donc finalement, le démarrage de la série, c'est pas étonnant du tout. Et ça faisait plaisir de voir que voilà, elle s'émancipait, Louvinette, si je peux dire ça comme ça.
Et j'ai découvert le personnage, comme vous, hein, certainement. Bah, une personne qui est, ma foi, très intéressante, qui a l'air relativement cultivée. Et moi, j'avoue que j'apprécie de plus en plus cette personne. Donc, j'en suis venu à, en fait, à m'abonner à sa chaîne très récemment. Donc j'ai pas, bah j'ai regardé juste la dernière vidéo qu'elle a publiée, une présentation d'une des villes de Minefield. La vidéo est super bien faite, super bien montée, scénarisée avec des flashbacks, de la musique, enfin voilà. D'un point de vue montage, j'ai trouvé ça excellent. Alors je sais pas si c'est Louvinette qui fait ses vidéos elle-même, si c'est le cas, je dis chapeau. Voilà, donc je vais un petit peu m'intéresser aux vidéos qu'elle a pu faire. Et puis, pour en revenir à Duplex, moi c'est un délice à chaque fois de regarder les nouveaux épisodes, parce que je me marre. Notamment un épisode passé, je sais plus exactement lequel, où si vous vous rappelez, elles sont en exploration de grotte, et puis je sais plus pour quelle raison. Il y en a une des deux qui commence à imiter le son du zombie. Et elle part dans un délire toutes les deux. Et elle termine par faire une parodie d'une chanson de Jacques Brel avec une voix de zombie. J'étais pété de rire, quoi. Alors elle aussi, bon voilà, le rire est communicatif et c'était un exemple flagrant. Voilà, c'est ce genre de délire que j'adore. Donc bah, je souhaite bonne continuation à cette série. Je pense qu'elles sont sur la bonne voie. Et voilà. Donc ça, c'était pour Louvinette. Et ensuite, je vais parler d'une personne. Alors là, j'en ai terminé avec les youtubeuses. On va passer aux hommes. La personne dont je vais parler, je dirais presque que c'est mon chouchou.